Comment est-ce possible? Ces hérétiques ont capturé Onara en personne. Allez là où le vent vous mène. Cette première ministre tient Onara prisonnière, mais au prix d'une immense concentration. Elle n'a pas l'air de nous avoir remarqué, comme le dit souvent Karanti, même si les faibles, même si la plus faible des brises peut renverser une pierre braniante. Si je parviens à l'interrompre, son sort ne serait-ce qu'un instant, Onara pourra peut-être se libérer. Faites en sorte de détourner l'attention. Bon, allez, hop. Suivez-moi, nous devons libérer Onara. Là-bas. Ah non, mais... Qu'est-ce que je dois faire? Protéger Baruko des adversaires. Ah. 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 Bah écoute, je vais... Ah. Tiens bon, mer des vents. Peuvent être médiocres. Oh, Ara, pardonne-moi. Pitoyable. Vous êtes réveillé. Content de voir que vous allez bien. Voyez ce qui échappe aux autres. Nous devons raconter à la Kanamatra tout ce qui s'est passé, notamment la capture d'Onara. Rendez-vous à Marukai aussi vite que possible. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous accompagner. Je me suis blessé dans ma chute. Je ferai que vous ralentir. Ne vous en faites pas pour moi. Je vous rejoindrai plus tard. Partez vite. Allez faire votre rapport à Kanamatra à Marukai. Ok. Et je tiens coiffure d'Onara. Gravure d'Onara. C'est quoi? C'est un bijou? Mais. Ouais. Bon. Hein? Vite. Vous devez informer la Kanamatra de ce qui s'est passé.
Ravi de vous revoir à Marukai. Quelles sont les nouvelles? Votre présence est de bon augure. Nous nous battrons même sans l'avantage du nombre et Onara. Il est hors de question de déposer les armes face à Balakar et de nous soumettre à la volonté des primalistes. Adieu. Donc c'est la place de ça. En avant. Et ça? C'est un composant artisanat. J'ai aussi ça. Ça, c'est pas mal. Ok. Ok. On monte en e-level. C'est bien. Je ressemble à rien, mais ça va. Enchanté. Juste avant, juste une seconde, alors plus précisément, 16 secondes, bah je vais couper, ma compagne m'a envoyé un vocal. J'en ai pour un instant. Ok, nous reprenons, excusez-moi pour cette interruption. Alors, nous devons faire une pause pour convenir d'une stratégie. On va leur péter la gueule, arrêtez avec vos pauses, arrêtez avec vos... Oh, il faut... Bordel, eh, vous êtes... Vous êtes une armée ou vous êtes... l'administration française. Au bout d'un moment... Non mais sans blague quoi. Là, on va faire une pause. Avant, il fallait qu'on demande le consentement de votre divinité. Et oh, au bout d'un moment, c'est bon, là. Tu regardes. Regarde, là. Il t'a 1, 2, même 3, 4, 5, silence. T'as silence de bouclier, là. Là, voilà. Tu prends ça, là. On est 4, là. On est plus que ça, on est 6. Bah, justement, ça nous fait une lance chacun et on va à la bataille là. Allez là, on rigole pas. Putain, fait chier. Je vous jure. On les dégomme, c'est tout. On les défonce. Comme dirait. Ah, c'est comment Bort dans Kaamelott. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On les défonce. Alors que le mec, il est d'habitude, il est extrêmement. Enfin bref. Nous devons faire une pause pour établir une stratégie. Nous avons besoin de la bénédiction de Nana. Non, c'est bon, on y va. Oh bordel. Pour faire résonner le corps de Drusai et ainsi appeler les dragons verts, car sans leur aide, cette guerre est perdue d'avance. Les Nako sont déjà bien plus nombreux que les autres clans, et leurs troupes peuvent désormais compter sur la force des primalistes. Et maintenant, Korolef a capturé notre mère des vents. Nous devons donc trouver Onara avant que ces traîtres ne lancent leur assaut final pour assiéger Marukai. Je vais immédiatement envoyer toutes nos équipes de reconnaissance à sa recherche. J'espère que nous la retrouverons à temps. Écoutez le rapport de l'éclaireuse. Oh. Suivez le vent. Ah, votre clan est toujours aussi diligent, Khan Sansok. Entre, Tomul. Les Khan ont hâte d'entendre ton rapport. Envie de crever! Vénérable Khan, nous avons repéré un bataillon de Nokud en route pour le corps de Drusal. C'est Balakar lui-même qui les dirige. Eh ben cool, on va lui défoncer sa tête. D'une diversion. À combien s'élèvent leurs effectifs? Suffisant pour envahir le village au pied de la colline, même si le gros de leur armée est ailleurs. Et Korolef, l'avez-vous vu? Et Onara? Non, pas encore. Les recherches se poursuivent. Tout pend à croire que les Nokud cherchent à détruire le corps
pour nous empêcher d'appeler les dragons verts. Sansok a raison. Mais c'est peut-être une diversion. Nous ne pouvons pas mettre tous nos œufs dans le même panier, quand bien même notre artefact le plus sacré serait menacé. Je vais aller au devant de Balakar avec la garde du Khanat. Tomul et vous, vous venez avec moi. Khan Tigari, Khan Sansok, rassemblez vos clans et préparez-vous au combat. Dès que nous aurons retrouvé Onara et appelé les dragons verts, nous marcherons sur le bastion Nokudon. C'est bon? Vous êtes digne de mon hospitalité. Quoi? J'ai pas vu, faut parler à qui? Ok. Eh, vous savez, plutôt que de sonner le corps là, alors premièrement, je peux aller au dragon, vous m'indiquez juste où c'est sur la carte. Secondement, les dragons verts ne sont pas des dragons de combat. Ils vont pas vous aider. C'est des jardiniers. Ils vont pas vous aider. Oh bordel. Oh merde. Oh, quand je pense qu'il y a un PNJ qui nous a surpris la dernière fois et là, c'est nul. Mais nul à chier. Bon. Hop, dragon. Bon, je pense qu'on est pas mal. Je sais pas trop où c'est, mais on va... C'est là. Qu'attendez-vous de la Kanam Matra? Alors, voilà des millénaires que les Térés protègent le corps de Drusai, la plus sacrée de nos reliques. En pillant ce village, Balakar a trahi toutes les valeurs des Marouk. Il peut faire une croix sur toute forme de rédemption. Nous devons reprendre le corps avant que Balakar n'ait le temps de le détruire et sauver les Térés encore en vie. Je vais vous accompagner pour rendre la justice à ce Khan usurpateur des les Nako. Les Noko vont connaître ma colère. La colère de la Khan Matra. Bon, voilà. Entrez dans le village avec un... Reprenez le Houma. Okay, garde du Khanat, je vais entrer dans le village avec notre biped. Restez là et défendez cette position pendant que nous avançons. Nous ignorons où se trouve le gros de l'armée locale. Je n'ai pas de cible. C'est d'une simplicité. Bon, je galère un petit peu avec le... Ouais, ok, bah voilà quoi, je suis déjà à 45%. Thank you.
tu veux, toi? Tiens. Je dois d'abord choisir une cible. Oula, 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 oula. Et oh, 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 oh. On se calme là, on se calme. Ah, j'ai pas vu que mon marcheur aussi avait pris cher. Approchez si vous l'osez, petite caname. Les primalistes ont décuplé mes forces. Ok. Bon, on va juste attendre qu'elle résume, hein. Mais bah, calme-toi. Voilà. En attendant. Approchez et parlez à voix haute et intelligible. Wow, 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 j'avais pas vu, j'avais pas vu, j'avais pas vu. Ok. Donc ces sorts bleus là, faut absolument les éviter. Wow. Mon débarras. Attendez. Que vois-je là-bas? C'est Onara. Salutations. Adieu. Suivez le vent. Ouais, on s'en fiche, on y va. Quoi? Qu'est-ce qui... Encore un plan à la con. Avez-vous mangé? Allez, je suis prêt, on y va. Quoi? C'est lui qui les appelle? J'y suis presque. Maintenant! Merde! Que les vents nous portent sur leurs ailes. Suce au jardin d'émeraude! D'accord, ok. Alors ça, c'était pas prévu. Enchanté. Puissent vos ancêtres vous guider. Les dragons sont tombés dans les plaines à l'ouest. Nous devons
nous dépêcher de les rejoindre avant que les Kono ne les trouvent. Nous ne pouvons pas laisser les dragons détruire les actions, déduire des actions de Balakar que tous les Marouks sont indignes de confiance. Allez voir Kanam Mara à la boîte. C'était quoi ce boucan à réveiller les morts? Le corps de Druzhal? Oui, Korolet a forcé Onara à bénir Balakar. Il a sonné le corps pour attirer les dragons dans un piège. Tomul, retourne vite à Marukai et informe-en les autres Khan. Rassemble nos troupes et faites route vers les jardins d'Emeraude. Nous devons prouver notre allégeance envers les dragons, sans quoi nos deux peuples disparaîtront. À vos ordres, Kanam Matra. Les vents se sont calmés. Vous atteindrez les dragons plus rapidement en prenant votre envol avec votre Drake depuis un lieu surélevé. Je vous rejoindrai sur place. Hâtez-vous. C'est ce que je comptais faire. Déjà perdu tant des nôtres. Les filles de Tyra vous sourient. Nous ne vous voulons aucun mal, Méritra. La mort de vos proches nous attriste tout autant que la disparition des nôtres. C'est Balakar le responsable. Lui et ses traîtres de nos coudes qui ont eu la lâcheté et la faiblesse de s'allier aux primalistes. Nous espérions résoudre notre conflit par la diplomatie, mais je vois à présent que nous n'avons d'autre choix que de les éliminer. Trois clans se tiennent à vos côtés, filles du rêve. Les Tyrai, les Shikar et les Onir. Nous devons unir nos forces pour chasser les va-t-en-guerre de nos terres. Votre présence est de bon augure. Ainsi donc, les primalistes ont formé une alliance avec le clan des Nako. Si jusqu'à maintenant nous n'avons pu repousser les primalistes, les Nako leur ont fait don d'une nouvelle arme, une balise tueuse de dragons. J'ai bien peur que Soletus ne soit que la dernière victime en date de son horrible magie des tempêtes. Venez, je vais vous conduire au refuge des dragons, le sanctuaire Ombrage. Vous pourrez me dire tout ce que vous savez sur les Noko pendant que la Kaam Mantra rassemblera ses forces. Nous devons préparer notre riposte. Alors, c'est simple, c'est des connards, ils sont en surnom comparé aux centaures, je peux les défoncer tout seul, ça te va ? Reposez-vous bien. Nous venions de regagner notre ancien bosquet à l'ouest quand les primalistes ont attaqué. Ne reculent devant rien. Avec leur soutien, l'armée primaliste de Korolet a les moyens de briser nos défenses.
Oh, attendez, j'ai vu une structure là. Ça ressemble à une structure qu'on peut trouver chez les elfes de la nuit, ça. Bonjour, héros. Ouais, ce qui me semblait. Reposez-vous bien. Déblocage de vent des îles. Débloquer la capacité vent des îles, vous pouvez désormais détecter et utiliser les rafales pour réorienter votre trajectoire et vous propulser, ce qui vous octroie un gain de vitesse dans la direction du vent. Ok. Est-ce déjà l'heure ? Par cette bénédiction, mon peuple saura que ma volonté s'exprime à travers vous. Allez, le temps presse. Qu'est-ce que je dois faire ? D'accord, ok. Oh putain, vache. Il y a du people, hein. Ah, déjà, je prends un... et puis hop. Ok, par contre, il y avait potentiellement quelqu'un derrière moi. Que la déesse vous bénisse. Acha Fela. Ah. Wow. Alors, ça m'arrive de temps en temps, c'est très occasionnel, mais d'avoir des petits frises comme ça. Et c'est pas forcément à cause de... non. C'est pas à toi que je dois parler, je crois. Bienvenue sur les îles aux dragons. Allez, j'ai un maître de chimie ici. Geôlier. Oh, il y a moyen que je puisse trouver un... Eh mais par contre, je trouve pas le dernier PNJ là, ça me frustre. Non. Alors oui, je peux utiliser, je dois avoir assez. Alors du coup,
Je pense que c'est ça le plus intéressant. Hein. Ou alors, c'est parce que... Attendez. Ouais, je gagne 5 secondes de régénération par point quand je suis au sol. Ah, en vrai... En vrai, ouais. Non, il faudrait que j'utilise ça. Bon. C'est bien beau, ça me dit pas où est le dernier Gugus. Il me dit que c'est. Que je suis quasiment à niveau. Eh bien, je vous avouerai. Ah. Non. Ça m'avait pourtant... Ah, l'air d'être là, c'est ça. Parlez-moi de vos rêves. Mmh. Ouais, les couleurs émeraudes, quoi. C'est le même couleur émeraude quasiment, quoi. Mais bon. Faites de beaux rêves. Je préfère le rouge pour le coup. Mais j'aimerais bien un noir. J'aimerais bien un dragon noir. Ou un dragon blanc aux yeux bleus. Non, je... Yu-Gi-Oh! Ah, la Kanam Mantra a fait parvenir que ses troupes. A fait prévenir que ses troupes et elle étaient arrivées au jardin d'Emeraude. On a retrouvé la trace de Korolef et de ses primalistes. Il semblerait qu'une gigantesque invasion se prépare depuis la plage au nord. Étant de nature prudente, la Kanam Mantra a envoyé plusieurs équipes de reconnaissance surveiller les points stratégiques un peu partout sur le champ de bataille. Allez récupérer leurs rapports, puis revenez me retrouver. Sur la ligne de front, ce combat nous promet la gloire et la vengeance si nous l'emportons. Allez voir ta main. Hein. Est-ce déjà l'heure ? Allez, let's go. Du coup, par contre, l'histoire des vents, là, je... Je sais pas de quoi il s'agit. Hein, mais... Tenez votre chien. Pour notre rapport, c'est simple. Le flanc arrière est à l'abri. J'en veux pour preuve le carnage que vous avez sous les yeux. Eh ben, je vois que je suis pas le seul à être efficace. Enfin ! Ça fait plaisir. Le vent souffle votre nom. Vous voyez ces piliers de pierre? Ils font partie d'une barrière qui empêche quiconque d'approcher. Nous devons les protéger, ou les défenses de l'île tomberont. Simple.
J'entends des soldats. Fusionner avec l'aigle. Après avoir renforcé les capacités des no-coudes, les primalistes ont aussi rejoint leur rang. Regardez la taille de ces colosses. Voilà qui n'augure rien de bon. Ce portail mène sûrement au lieu de rassemblement des renforts primalistes. Je me demande si nous pourrions le refermer en tuant ces enfants. Un quart d'heure ? Vite, Avara. Reviens avant de te faire repérer. Non ! Bon, allez, 20 minutes. C'est le temps qu'il me faut pour à peu près tout buter. Mec. J'en demanderai pas, hein. Les mecs se font chier, hein. Alors qu'ils m'envoient au front, c'est bon, hein. Moi, je règle le truc, hein. Que puis-je pour vous ? Faites du beau. Voyez comme ces pylônes alimentent la puissance destructrice. Si nous n'intervenons pas, elle détruira le pilier. Et les frondaisons antiques seront vulnérables. Qu'attendez-vous de la Canam Matra ? Abattez-le, les gueulasses ! Abattez-le, les gueulasses ! Tant qu'il restera au moins un dragon vert en vie, les primalistes ne profaneront pas les fondations antiques sans que nous y opposons. Nous aimerions beaucoup prendre part à ce combat, mais avec les balistes tueuses de dragons sur le champ de bataille, impossible d'approcher. Elles sont protégées par les meilleurs éléments des Noko. Que vous... Ah, voilà, là, il y a un dragon bleu, là. Il est classe, celui-là, là. Celui-là, ça me ferait plaisir de l'avoir. Que vous venez donc d'éliminer avant de pouvoir agir. Détruisez les balises et les balistiques. Éliminez la menace. Voilà. Bon, trois balistes et trois bellicistes. Ah, des bellicistes. D'accord, ok. Qu'est-ce que je gagne ? Un couvre-chef. Oh ! Il a l'air bien. Reposez-vous bien. Bon. Bah, balise ou baliste ou pas baliste, j'y vais, hein. Ah, il y a une baliste là-bas. Ça c'est fait, hein. Qu'est-ce que j'ai un... Ah, il y a un... D'accord, il y a un... Eh ben, let's go. Yeah.
êtes digne de mon hospitalité. Là, je l'ai vu. Ben voilà. 19 000 d'XP gagné. Et elle est où la dernière balise? Enfin, baliste. Là. Voilà. Allez. Enchanté. Quête suivante. Revenez en un seul morceau. Adieu. Bah écoutez, on est en plein milieu de la champ de bataille, tant pis, on les lit pas celle-là. Hein. Suivez le vent. On va juste regarder rapidement. Désactiver le couloir, ok. Premier pilon primariste, on va faire les pilons primaristes, s'il te plaît. Je regarde juste un truc. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Hop, ok. Voilà. Bien, je vais prendre le relais. Votre présence est de bon augure. En avant. Bonne chance. C'était un mec à buter, je crois. Du coup, ils l'ont buté. Bon. Je crois. Non. Ouais, c'est ça. Je devais buter des mecs apparemment, puis malheureusement,
Il y a des joueurs qui sont passés avant moi. Non, j'ai rien à y déposer. J'ai rien à y déposer. C'est un coffre de guilde. Bon, quand ils veulent, ils respawnent, hein. De Tira vous sourit. Finir ce qu'il faut faire, je me rends juste à l'objectif. Hein. Ah, enfin! On va se la faire, c'est ça? Non! Je ne m'avouerai pas vaincu! Donne-moi ta force, Drake! Merde. C'est bien, c'est qu'il y a des joueurs déjà dessus. Ça, on va éviter. Ok, alors ça c'est pas cool. Misérable insecte, la tempête dévore tout sur son passage. Qu'est-ce qu'il y a? Il l'a pas compté? Non, parlez à... Ah, il est là. Vous avez trouvé quelque chose. Venez, petite créature. Les primalistes sont hors d'état de nuire, et nos troupes ne feront qu'une bouchée des imbéciles qui ont commis l'erreur de s'attarder. Sans les troupes alliées, cette victoire nous aurait échappé. Méritera à convoquer leur dignitaire en audience. Elle a aussi demandé à vous voir. Excusez-moi, j'ai de nouveau ma dent qui me fait mal. Parlez-moi de vos rêves. Est-ce déjà l'heure? Bon, on est plus au calme, on va pouvoir peut-être suivre les quêtes un petit peu. C'est en partie... C'est en grande partie grâce à votre courage que nous avons pu vaincre les primalistes. Et j'en ai bien conscience. J'ai invité les centaures à me rejoindre sous les fondaisons... antique, vous avez largement mérité cet accueil, tout comme la Kanam Matra et son peuple. Longez le chemin qui passe sous l'arche sur l'autre rive et empruntez le sentier qui s'enfonce dans les arbres. Je vous aiderai, je vous
vous attendrai. Allez voir Amerita dans les frontaisons antiques. Faites de beaux rêves. Oh, il y a loin à aller. Oh, ça va. Que puis-je pour vous ? Reposez-vous bien. Il y a des siècles de cela, le tout premier centaure et moi firent un serment d'amitié. Et de coopération. Bien que la situation soit très différente aujourd'hui, je pense qu'il est temps pour nous de renouveler cette promesse. Un texte sacré fut rédigé afin d'aider les futures générations de centaures à se rappeler leur lien au vol draconique vert. Chaque couplet doit être accompagné d'une offrande de la part des cannes. J'espère que les centaures se remémorer le sens de ces mots. Mais attention, tout repose sur les offrandes. Choisissez bien et notre alliance sera aussi forte qu'au premier jour. Et de la chasse où l'adresse prime nous vient un rite de passage, une initiation. Des rites qui communient avec le vent soufflent la plus douce brise, une élévation. De la descendance de la matriarche naît le fruit d'une progéniture ininterrompue, une lignée ancestrale. Oui, ce serait logique. Après leur première chasse, les jeunes de notre clan reçoivent une lance de cérémonie. Prenez la mienne. Ok. Ok, je dois récupérer la lance. Non ? Non, bon. Parlez-moi de vos rêves. Faites de beaux rêves. Salutations. Qu'attendez-vous d'Onara ? J'ai pas été assez vite, c'est ça ? J'ai pas été assez vite. Ployez sans jamais rompre au gré du vent. On recommence. Que puis-je pour vous ? De la chasse où l'adresse prime nous vient un rite de passage, une initiation. Oui, ce serait logique. Des rites qui communient avec le vent soufflent la plus douce brise, une élévation. De la descendance de la matriarche, cette lance est la preuve de votre adresse. J'accepte cette offrande. Vous ici, quel plaisir de vous revoir. Nous comptons sur vous, puisque tous les Ouna descendent d'Onara. Cette plume devrait faire l'affaire. Bonjour, héros. Et l'esprit d'Onara. Tu tombes bien, toi. Tu tombes bien, toi. Il est où ton... J'accepte votre offrande. Là. Merci, mec. Ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver un petit peu son apparence. Ah. Bon, on la retravaillera, hein. Bien sûr, on la remettra à jour, mais là, je veux ressembler à un minimum à quelque chose, quoi. Qu'attendez-vous de la canne Matra ?